C'est la 2, on se retrouve pour le Grand Prix d'Autriche 2002. Alors c'est parti, on va régler la voiture du coup. Aéro, boîte de vitesse, suspension, on va laisser... on va laisser comme ça, hein. Je pense que ça peut être pas mal, c'est un circuit qui est assez rapide, mais il y a quand même des petites courbes, donc on va laisser en moyen. On va faire confirmer. On va lancer la qualification. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bugs. Bug de ralentissement. Allez, c'est parti. Sortie des stands. On fait 40 traverser le mur, tout va bien. Zombardi, c'est parti pour le circuit de la ring qui a pas beaucoup bougé hein, d'ailleurs depuis. Bon, la seule chose que je pourrais rajouter c'est que j'ai l'impression que je ramote un peu. Alors si je vois que je gagne un peu d'FPS, je pense que je mettrai en fois normal, hein, x1 la résolution. Le but c'est quand même que ça reste fluide, hein, sinon on est mort. Bon, après une victoire écrasante au Grand Prix d'Espagne, on va voir ici comment ça se passe. Je crois que Fenden avait fini 7ème cette course. Alors attendez, je vais juste faire un petit réglage. On peut voir qu'on est revenu en résolution PS2. Ça pour conserver un peu d'image. Bon, après, moi j'ai beaucoup d'aliasing, mais je pense que pour vous ça devrait être un poil mieux. Donc ouais, je disais, le circuit qui n'est pas trop changé, on a quasiment le même, hein, concrètement. En plus, c'est un circuit où Red Bull a fait l'effort de garder pas mal de zones de dégagement avec du gravier, sauf là. Maintenant, sur le côté, on a pas mal de bitume. C'est parti pour le premier tour chrono. Je crois que c'est une Toyota hein, qu'on a devant nous, ouais. Ménage au 100 mètres, attention. Ah, c'est pas très bon quand même de partir juste derrière une voiture. J'ai pas assez de vitesse de pointe, mais dans les virages, ça va. C'est que dans le deuxième secteur, on va être plus rapide, vu qu'on a plus d'ailerons. Ouais, je suis en avance 2 dixièmes sur Schumacher. Gros dénivelé et malheureusement saute dans le dernier virage. On a quand même fait meilleur temps. Et ben. Et malheureusement je pourrais pas améliorer dans le deuxième tour. La petite erreur, bah écoutez, tant pis, hein, on va rentrer directement fin de session. On va aller dans les stands, voilà, fin de session. J'avais combien, une 15,56€. Et du coup, on aura fait 5 dixièmes que Barrichello. Un peu pareil pour Michael Schumacher. Et du coup, donc Ralf Schumacher partira 4ème, Juan Pablo 5. Et Coulthard, Kimi Räikkönen toujours les mêmes. Hein. Les mines qui changent pas. Button 8ème, le meilleur des autres, on va dire. Mika Salo est 10ème, pas mal, beau résultat pour la Toyota. Alan McNish, pas mal aussi. Physique est la 13. Et d'ailleurs, il me semble que Toyota a marqué un point sur cette course. Je crois qu'elle a fini 6ème, salaud. Ils ont marqué un point. Un point en Autriche. Et, un point en Autriche, un point à Melbourne et un point en Autriche, justement. Mon équipier est à l'autre bout du monde. Et deux Minardi qui ferment la marche. Écoutez, on va se lancer comme ça, hein. C'est parti. On va partir en pneu tendre. Alors ça reste une course assez courte, hein, vu que le circuit est court.
Donc on va garder... Bah, il n'y a pas de risque de pluie, donc on va garder les pneus tendres. Et je me rends compte qu'au fond du circuit, il n'y a pas marqué à rose. Carrément. Au premier virage, et si on regarde au loin au premier virage, on sent qu'il y a un autre sponsor, carrément. Non, c'est peut-être orange. Allez, c'est parti. La chance a enfin mon départ. Regardez au fond, c'est pas rose qu'on va marquer. Tout en haut. Ah si, c'est ça, c'est à rose. Eh, bon départ de Schumacher qui est déjà nettement pris la deuxième place. Alors on va essayer de prendre l'aspiration, hein. Ça peut être Williams. On va peut-être se faire reprendre derrière, parce que derrière ça va aller très vite. Oh allez, attendez, à l'intérieur ça va pas passer. Alors c'était en 2001 je crois qu'il y a eu l'accrochage Montoya et Schumacher, et on s'est totalement loupé à la relance. En 2002, je sais plus ce qui s'était passé. Si, en 2002 aussi, hein. Bon, il y a le gros accident de Sato. Avec qui avait perdu les... Enfin, avec Heidfeld qui avait perdu les freins. Il était rentré dans le pilote Jordan. Un gros accident d'ailleurs qui avait mis un drapeau jaune, hein, pas un drapeau rouge par contre. En pas mal de tours. Je sais plus si le pilote japonais avait pas eu un grand prix de retrait. Il n'avait pas été remplacé au grand prix suivant. Je me souviens plus, par contre, c'est vraiment. On s'est vieux, on va passer à l'intérieur. Aïe, 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 on a touché la Williams. Et là, on a retouché à nouveau le McLaren. Alors, on va reprendre l'inspiration. Ouais, déjà, l'écart avec les autres, hein, c'est impressionnant. Hein, si on a, hormis nous, le McLaren plus Williams et Ferrari, les autres sont aux abonnés absents. Ah, donc là, il va falloir rattraper tout ça. J'ai pas d'aspiration. Allez, accélération, on garde l'aspiration sur le pied de Ferrari. Ouh, oh, j'ai déjà la moitié de mon aileron cassé. Ouais, enfin cassé, ça va, il n'y a pas trop démonté, mais. On est un peu comme une moula. J'ai totalement raté mon freinage. Hein. Faut faire gaffe là pour les prochains. Attention. Ah, je fais beaucoup d'erreurs. Hein. En tout cas, après, ça va être fatal. Hein. Pas trop d'erreurs. On va exploser l'aileron avant. Il dit exploser l'aileron avant. Dit passage au stand. C'est pas ce que j'ai envie. C'est vrai que c'est plus fort ici maintenant. Et attention. Et ouais, non, ici la petite bosse là. Mais la petite bosse à chaque fois sur accélère trop fort, ben on se retrouve en tête à queue. Ça a failli m'arriver juste le virage d'avant. J'arrive pas à reprendre. Elle accélère vraiment vraiment fort les Ferrari, c'est impressionnant. On va se caser. Freinage ici, à l'intérieur, et leur accélération, et malheureusement, elle reprend trop vite de la vitesse. On est passé. C'est Barrichello qui est en tête. En deuxième. Et une bonne saison, le Barrichello. En 2002, il avait fait une bonne saison aussi. Ah, ben en plus, pourquoi je parle pas de ce Grand Prix? Mais évidemment, comme vous savez tous, bien sûr, depuis le temps, hein, je radote, mais ces fameux Grand Prix où il y a la honte sur Ferrari. Suite à la consigne d'équipe dans le dernier tour. Pendant un Barrichello laissait passer Schumacher alors que le Brésilien était en tête. Je vous rapporte évidemment aux extraits YouTube de la course pour comprendre. Ah, ça avait fait un scandale à l'époque, mais vraiment un énorme scandale. Et d'ailleurs, Van Viet avait perdu son. En a perdu son. Son poste de commentateur. À cause de ça. Alors je sais pas si c'est vraiment vrai cette histoire, mais bon, apparemment c'est ce qu'il aurait dit pendant la fin de course, qui aurait pas trop plu et du coup il en aurait perdu son boulot.
de commentateur sur la une. C'est dommage, j'aimais bien Van Viet. Bon, après, c'était pas le meilleur commentateur non plus, mais j'aimais bien. J'aimais bien savoir, en tout cas. Depuis, il est parti dans d'autres. Pour d'autres choses, mais toujours dans la F1, évidemment. Le site FRI. Waouh, waouh, attention, ça glisse. Allez, on va essayer maintenant de rattraper la Ferrari. Ouais, nickel, on est bien reparti. On va avoir l'aspiration. Mais même avec l'aspiration. Ah, si, quand même. Ouais, on voit le vortex. Ça, c'est par contre, c'est pas réaliste, hein, mais bon. Allez, au freinage. Et l'accélération sur le vibreur. Il va me redoubler direct. Ouais, j'aurais accéléré tellement mal qu'il va me redoubler instantané après. Ah non, il va passer. Oh, je suis le bloqué. Attends, j'ai pas trop insisté. Attention ici. Faudrait que je fasse une compilation de la soundtrack du jeu. Comme j'avais fait pour la fin 97. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Je crois pas qu'il y en ait une alors dans le tuto. Il faut que je me concentre quand même là parce que j'ai trop d'erreurs. Même si je suis en tête, ça peut pas durer avec cette histoire. Bon, ça va, pour l'instant, tout se passe bien. Et voilà ce que je disais, attention. Oh, ça va, il est encore loin. Ça va s'assombrir un petit peu quand même sur le circuit, j'ai pas fait gaffe, mais pas si beau que ça. De la distance, par contre, on est beaucoup plus loin par rapport au troisième, quatrième. Je pense que Ralf Schumacher doit un peu bloquer derrière. Ouais, il y a l'air d'avoir beaucoup d'écart entre Ralf Schumacher et Schumacher, justement, entre les deux. Ah, bah, il est passé, Michael Schumacher. Moi j'aimerais bien que Williams aille embêter un peu Ferrari, hein, ça me ferait des points. Oh, plus tellement une carreau 4 carrément rattrapé, j'ai fait louper. Carrément rattrapé coéquipier. Il faut savoir que je regarde beaucoup la track map à gauche. Pour savoir où en sont les autres. Ça va. On avance plutôt confortable pour le moment. Et du coup, toujours pas eu le Grand Prix Monaco. On devrait enfin avoir, je pense, là. Enfin, j'imagine quand même. Enfin,
enfin la prochaine course. Allez, plus que deux tours. Je pense qu'il remonte un petit peu quand même avec mon erreur. Du coup, j'ai plus de rythme en réaccélération dans la ligne droite d'arrivée. Bon, ça va, on n'a plus qu'à gérer normalement. Là, ça fait partir. Allez, dernier tour. L'hélicoptère qui nous chasse. Bon bah victoire, bon un peu moins rapide, hein. Enfin un peu moins d'écart, mais victoire quand même. Alors du coup, première place, Barrichello deuxième, troisième, Schumacher, son frère quatrième, Danny Coulthard 5, et Button qui marque un point, incroyable. Incroyable, Button a marqué un point, Magnifique Massa 7ème sur la Sauber, c'est pas mal. Raikkonen 8. C'est-à-dire que BR va marquer un petit point. Eh ouais, Montoya aussi. Ah ouais, alors Raikkonen et Montoya sont carrément sortis tous les deux. Ok. Alors, Nickel fait 10, McNish 11. C'est dommage que... Ah, typiquement, ouais, salaud 17ème. Je pense que c'est dommage que je pense que les Toyota auraient pu en profiter pour marquer des points, là. Mais bon. Lipanis 22ème. Bon, il doit y avoir un accrochage derrière, à mon avis. Le classement est un peu particulier. Regardez, Jenson Button, un petit point. Ah non, je suis bête, 2002. Bah oui, il est chez Renault encore, Jenson Button. C'est 2003 qui part chez BR. Bah du coup, Renault qui marque le premier point de la saison. Et Massa qui se trouve 7ème au championnat, du coup, avec sa 7ème position. Bon, nous, en plein constructeur, c'est mort, mais on reste toujours 2ème, c'est toujours principal. Williams qui garde l'avantage sur McLaren. Renault... qui prend la 5ème place, je reviendrai 6ème. Puis voilà. Et voilà, on va passer du coup à la prochaine course, dans la prochaine vidéo. Bon, course encore assez calme, hein, pour le moment, tout se passe bien. Et on verra si ça va durer pour la suite. Et à la prochaine, ciao tout le monde.